Du courage, texte du bienheureux Charles de Foucault. Jésus, souvenez-vous du courage avec lequel, au milieu même de mes ennemis, pendant même qu'ils complotaient pour me perdre, j'ai proclamé, à leur face, la criant bien haut, la doctrine de vérité. Et ces vérités mêmes que je savais leur être les plus odieuses, les plus insupportables. Souvenez-vous avec quel courage j'ai fait devant eux, au milieu d'eux, ces miracles, ces guérisons, ces actes qui les transportaient de rage et leur faisaient jurer ma mort. Je l'ai fait pour vous, pour votre bien, afin de prêcher la vérité bien haut et afin de donner, à tous les hommes, une leçon de courage dans l'accomplissement de la charité. Souvenez-vous de l'exemple que je vous donne. Criez, semez, prêchez. Faites-le pour m'obéir. Faites-le avec une joie d'autant plus douce qu'en le faisant, non seulement vous m'obéissez, mais vous m'imitez. Qu'on vous écoute ou qu'on ne vous écoute pas, prêchez toujours et priez toujours pour que vos paroles rapportent du fruit. Si elles n'en rapportent pas, continuez sans tristesse ni découragement, avec une certaine joie de cet insuccès, puisque, n'ayant pas de succès, vous partagez mon sort. Charles de Foucault. Retrouvez d'autres textes de méditation chrétienne sur mission-web.com.